La famille Bourla. Les 8 enfants de la famille Bourla sont nés à Paris dans le 11e arrondissement. L'aînée est Béatrice, la cadette Denise, puis après vient Albert, René, Richard, Léon, Max et Claude. Les parents sont d'origine grecque et turque et de religion juive. En 1916, avant d'avoir leurs enfants, ils sont venus immigrer en France et ont ouvert leur boutique rue de Titon à Paris. En 1939, peu de temps avant la guerre, le père Michel Bourla meurt à cause d'un cancer et confie à Albert, son fils aîné, le rôle de s'occuper de sa mère et de ses frères et sœurs. Quelques mois après, c'est la débâcle. La famille doit quitter Paris à pied. La mère, ainsi que Léon, le 6e enfant, doivent modifier leurs prénoms qui, pour les démasquer, se sont transformés en Hélène et en Judex. Ils partirent en zone libre, faisant le chemin soit à pied, soit en autocar, sans savoir où ils allaient. Grâce à la Croix-Rouge, qui avait organisé dans les communes des accueils pour les réfugiés, le soir, ils pouvaient dormir à l'abri. Cependant, la journée, ils étaient sur la route, là où les avions tiraient au hasard et partout. Ils réussirent à traverser la zone de démarcation grâce à un passeur en écartant les fils de fer de chaque barbelé sur leur chemin. Albert voulait emmener sa famille en Espagne, dans un coin plus ou moins tranquille. Cependant, lorsqu'ils furent arrivés à Luchon, un gendarme les avait repérés et emmenés à la commandanture avant de les signaler à un gradé allemand. Ce jour-là, ils furent chanceux d'être tombés sur l'un des rares Allemands qui ne cherchaient pas à faire du zèle et qui les avaient relâchés. Comme les risques de se faire attraper étaient trop élevés, ils s'arrêtèrent à Nice. Ils louèrent une petite villa à Villefranche-sur-Mer où ils restèrent environ 2 mois. Mais comme les Allemands descendaient de plus en plus rapidement dans le sud, ils s'en allèrent cette fois vers Avignon où vivait leur oncle Jacques, frère du père. L'endroit n'était pas très propre ni spacieux, mais au moins ils étaient à l'abri du danger. Grâce à un ami juif à leur oncle, qui tenait une épicerie, ils n'eurent manqué de rien. Lorsque les amants pénétrèrent Avignon, la famille Bourla quitta la ville pour descendre à Grenoble. Ils se cachèrent dans la montagne en grimpant jusqu'au hameau du Boulou, rattaché à la commune de Saint-Martin-du-Riage. Ils furent accueillis dans une ferme par une petite famille. Albert travaillait comme bûcheron à Champs-Rousses avec Léon, tandis que Richard aidait des paysans. Ils étaient très bien nourris et logés. Pas loin de la ferme où ils vivaient, il y avait un château de Vizy, où s'était installée la milice. Et plus haut dans les montagnes se cachait un groupe de FFI, la Résistance. Cependant, quelques mois plus tard, les miliciens sont montés vers l'endroit où se cachaient les FFI. Ils se sont d'abord arrêtés au Boulou du Riage, devant leur ferme. Ils les ont tous rassemblés et fait rentrer dans le hangar. Dehors, ils n'ont gardé que leur frère Richard et un voisin qui était à la ferme ce jour-là, puis ils les ont fusillés. Quand le reste de la famille Bourla furent sortis, la mère Sarah retrouva son fils mort à terre. Une plaque a été déposée après la guerre pour eux avec écrit dessus « Ici, le 5 juillet 1944, deux innocents ont été fusillés par les Allemands. » Après la triste mort de leur frère Richard, Albert décida qu'il devait se cacher ailleurs. Ils sont repartis vers l'autre versant de montagne où ils louèrent une ferme avec l'argent qu'il leur restait, puis se sont cachés dans une campagne où ils restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, ils sont retournés à Grenoble et se sont logés sur le quai de France, en face du pont de la Porte de France. Ils passèrent quelque temps à Grenoble avant de redescendre chez leur oncle Élie, le frère de la mère qui venait de perdre sa femme et son fils, déporté à Auschwitz. Ils réussirent chacun à démarrer une nouvelle vie et repartir à Paris. Albert, Léon et Max s'occupèrent du magasin et de leur famille, tandis que Claude allait à l'école. Les enfants Bourla rencontrèrent chacun l'amour de leur vie, puis construisent avec une belle famille, mettant en avant leur force et leur réussite. Du coup, là, c'est la plaque commémorative de Richard qui a été posée là où il a été fusillé par les Allemands et son voisin. Ici, c'est une lettre par Albert, c'est une sorte de CV, pour travailler dans la ferme, peu de temps avant que son frère se fasse tuer, quand ils sont arrivés... au boulot où ils étaient. Ça, c'est une photo de leur magasin avant que la guerre commence à Paris avec l'oncle Élie qui a perdu sa femme et son fils déporté. Là, d'autres oncles, Béatrice et le reste de la famille, Richard, toute l'autre famille et les parents. Ici, on trouve du coup le père Michel Bourla qui est mort et la mère Sarah qui a protégé ses enfants durant la guerre avec son fils aîné Albert.
cette photo, du coup, on arrive à voir Richard. Richard et Léon, donc Léon après, qui est né après Albert. Là, on arrive à voir des livrets militaires à Max, Bourla. Et après, c'est des photos de famille, quand ils étaient encore quand ils étaient dans des endroits paisibles pendant quelques moments. Ici, nous avons du coup la sœur Béatrice, l'aînée de famille, avec là Denise, une autre sœur qui a construit la famille, encore une autre sœur Renée, et puis là nous arrivons à voir une photo beaucoup plus récente, Léon qui est mort il y a quelques années, Claude, Michel le fils de Léon, Albert et, et Max, du coup les frères. Et là, c'est le mariage de Denise pendant la guerre, parce qu'elle s'est mariée avec un Allemand. Donc elle a réussi à s'en sortir. Avec la mère Sarah, avec Albert, Léon, Béatrice, René et Claude. Et voilà. On y va. Là, c'est le parfum qui appartenait à Léon, mon arrière-grand-père, donc de la famille Bourla. Et c'était celui qui mettait, que son fils a mis après, et que du coup, qui revenait à ma maman parce que son fils, c'est son père. Et voilà le livre de Max Bourla, grâce auquel j'ai réussi à faire mon projet. Et dedans, il raconte sa vie, il raconte plus que ce que j'ai raconté. Il raconte aussi comment il a pris ça, comment ça s'est passé, qui est-ce que la famille a rencontré comme personne, comment ils sont allés, comment des Algériens les ont aidés lors de leur retour en France. Et il raconte aussi du coup plus sur lui, sa vie, ses enfants, parce que du coup il a eu des enfants. Il a mis plusieurs photos, des photos lesquelles que j'ai imprimées. Et à la fin, on arrive à le voir. On arrive à le voir, donc c'est Max avec sa femme Alice qui est malheureusement décédée. Mais voilà, et là on arrive à voir, il a fait un petit arbre parce que il a eu des enfants. Et du coup, il a fait un petit arbre avec ses enfants et Barbara est celle qui m'a passé beaucoup de ses objets. Et Max, grâce à lui, il m'a envoyé le livre parce qu'ils sont encore en vie. Et voilà. Et ça lui tenait à cœur à tout le monde que je présente leur histoire.